Salut les chéris, j'espère que ça va bien. Moi ça va super chaudement, hein, parce que ici on va toucher le 40 degrés, donc va faire chaud. Bon, tu connais l'endroit? Eh oui, Doña Mencia, on n'a pas bougé. Alors attends, que je fais pas trop trembler, tu connais cet endroit-là? La Mistrissa y a passé quand même plusieurs semaines. Maintenant, elle a eu le droit de passer le portail depuis pas mal de temps. De l'air de camping-car, je te refais voir, mais tu connais. Tu connais tout ça par cœur, Chris, ça t'a fait voir, revoir, ravoir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un Foxy. Un côté, on a un coquelicot. Alors Foxy, lui, il connaît l'endroit par cœur. Il y a tourné, retourné, ratourné. Il s'est garé un petit peu partout. Et maintenant, je pense que Foxy est très content d'être à l'ombre. Ça fait des vacances, hein, hein Foxy? Parce que franchement, là, tu te reposes à l'ombre tranquille. Hein. On dirait presque ta retraite. Donc là, on s'est installé. On ira voir la miss après. Les deux stores, Coquelicot. Coquelicot qui a retrouvé son pote Foxy. Donc, il est super content. Là, on a un petit chien. Bah oui, Domino, il est là. Tranquille, à l'ombre. Lui aussi, il est content. Il a retrouvé Cassie. Alors, Cassie, bien sûr, est dans ses appartements. Comme d'habitude, elle a fait son tour. Et puis, maintenant, elle est retournée dans ses appartements. Bon, Domino, il dort tranquille. On ne va pas l'embêter. Non, là, vraiment, il n'a pas envie. Alors, pour ceux qui adorent l'entendre aboyer, eh ben c'est loupé, vous l'entendrez pas aboyer, poilonné. Et là, eh ben on a qui? Coucou. Ma grande sœur de cœur, la meilleure, en un mot commençant. Ouais. Donc tout va bien. Le soleil me fait un clin d'œil là, vous voyez ça? Donc, voilà, comme ça tu brilles là. Je brille. Allez, change de place, qu'on papote un peu avec, avec nos spectateurs. Ouais. Ok. Mais en tout cas, bon, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il s'est passé beaucoup de choses. Parce que bah, c'est le après séparation. On est resté quand même longtemps séparés. Et oui, beaucoup plus longtemps que prévu, de toute façon. Oui. Je m'assois en face de toi. Allez. Attention, tape pas mon chien. Moi non. Allez, voilà. On est bien là. Voilà. On est presque au même niveau toutes les deux, dis donc. Voilà. Alors, Chrissa, elle a son café habituel, là, que tu vois juste là. Voilà. Et moi, j'ai ma chicorée, comme d'hab. Non, mais sans rire, c'est vrai qu'on a passé... Beaucoup de temps à parler, normal. Ouais, ouais. Même si pendant le confinement, on était en contact tous les deux, pratiquement tous les jours. On s'est beaucoup parlé par WhatsApp, tout ça. Mais c'est vrai qu'en live, on s'est encore raconté. On a parlé de choses plus personnelles, je pense. En fait, WhatsApp, vous savez, c'est pas pratique. Il faut toujours attendre la fin du message de l'autre pour pouvoir répondre. Tandis qu'en live, on peut lui couper la parole, on peut intervenir direct. Alors, il y a une chose, c'est que j'évite en général de téléphoner à Chrissa. Parce que pour ceux qui diraient, ouais, mais pourquoi vous ne vous téléphoniez pas? Alors moi, je vais vous dire le pourquoi. Je n'aime pas trop téléphoner à Chrissa parce que sinon c'est minimum, mais vraiment minimum, 1h30. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah oui. Tout le monde te connaît alors. Bon, ouais, parce que toi tu parles une pipelette, toi. Oh non. Jamais. Non. T'as oublié ton ballon en face. Toi. Ouais. Non, mais c'est vrai que. On avait besoin de ce temps pour parler, pour faire le point, comment Chrissa l'a vécu, comment moi je l'ai vécu. On avait, c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est pas anodin de vivre ce genre de choses, même si on était en contact, on rigole. On l'a vécu chacune de sa façon. Toi, tu étais entouré des gens.
Moi, j'étais toute seule, chose qui m'a pas du tout dérangée, et alors pas du tout, et je sais que quelques-uns, quelques-unes parmi vous, ils disent « Ah, pauvre Trissa, toute seule, embrassez-moi !» Non, pauvre Trissa, elle était toute seule, mais c'était pas pauvre Trissa, au contraire. Au moins, comme ça, j'étais en sécurité, j'avais pas de risque. Mmh. Voilà. Des fois, je voyais personne pendant la journée, mis à part les éboueurs à 1h du matin. On se fait un petit coucou, la police qui passait, on se fait un petit coucou, ouais, ouais. La guardia civile, pareil, on se fait un petit coucou, et puis des fois... Tu avais le boulanger. Et le boulanger, il venait exprès pour moi, ouais. Exprès pour moi. Au début, il venait tout le jour, mais ensuite je lui avais dit, écoutez, tout le jour, je n'ai pas besoin. Et il est venu un jour sur deux, enfin trois fois par semaine, exprès pour moi. Et des fois, c'était la seule personne que je voyais de la journée. Donc, tout s'est bien passé. On ne va pas refaire parce qu'elle a déjà raconté dans la vidéo. Voilà. Donc, on va un petit peu avancer. Donc là, on est posé pour quelques jours. Mm-hmm. On est bien. On est très bien. Mm-hmm. On est chouchouté parce que du coup, bah, j'ai été englobée dans le chouchoutage. Ouais, hein. Bah, toujours les gens d'ici, ouais. Donia Mencia sont adorables. Vraiment très, très bien. Si jamais vous venez, alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire à Donia Mencia, sauf pour ceux qui aiment faire du vélo. Voilà. La piste cyclable. Vous l'avez déjà vu. Voilà, vous connaissez par cœur tout ça. La piste cyclable, rando aussi. Hein, ouais, bien sûr, ouais. Nous, on voit beaucoup de monde. Vous voyez par exemple là. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup de vélos. Oui. C'est rigolo. Oui, samedi, aujourd'hui, ouais, c'est cool. Mais il y a des gens à pied, des gens à vélo, ouais. Des gens en Rosalie. Alors moi, j'appelle ça une Rosalie. Vous savez où il y a les quatre places et les quatre pédales. Voilà, parce qu'il y a à côté. Un vélo à quatre places. Voilà. Avec un toit. Donc pour l'instant, on a décidé de rester là. En fait, ouais. On fait une sorte de point avec Trissa. Et de toute façon, il faut que je finisse le soin de mes dents. Oui. Déjà. Mais au-delà de tes au-delà dents. Au-delà de mes dents, on est en train de faire le point. Ouais. C'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on reste ici pour attendre le deuxième confinement qui apparemment va arriver? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va se déplacer? Est-ce qu'on va aller ailleurs? Pour le moment, on n'en sait rien. On non. est dans l'attente. Voilà. Voilà. En fait, c'est sympa parce qu'on arrive, même si on a des caractères différents, on arrive toujours à discuter, on arrive toujours à avancer. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Trissa, c'est que c'est comme une énergie, tu sais, qu'on multiplie par deux. Il y en a une qui lance un truc, mmh. l'autre le rattrape et rebondit mmh. pour une autre idée, etc. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, ça a toujours été comme ça entre nous. Et c'est vrai qu'au final, c'est vrai que Trissa, bah maintenant tu la connais bien, Trissa est très logique, très cartésienne, très rigide. Hein, quelque part pour certaines choses, alors que moi je suis plutôt voilà, ça part un peu dans tous les sens. Je suis pas du tout logique, je suis surtout dans l'affectif, je suis dans la rigueur, oui, mais d'une façon différente de Trissa. Mais c'est vrai qu'on a cette rigueur à un moment donné où on se rejoint, et puis on a envie toujours plein de choses malgré nos âges avancés. Ben quand même, 25 ans, ça s'arrose, hein, ben oui. Ouais, ouais, bien sûr, oui. Non, mais tout ça pour vous dire, c'est qu'il y a eu le avant. Il y a eu le avant, je pense que, comme beaucoup de gens, le avant corona, le avant confinement. Je pense que ces 4 mois, quand même, ça nous a bien... Je pense que ça a marqué tout le monde, plus ou moins. Hein. Ouais. On veut ou on ne veut pas, c'est quand même quelque chose qui était assez... rigoureux, assez violent. Oui, bah oui. Violent, ah ouais. D'être arrêté dans nos vies, dans nos occupations, du jour au lendemain. Stop, vous arrêtez tout, vous restez chez vous, vous ne bougez plus. Ouais, ok. Donc, c'était assez ouais. Et très violent, oui. C'est marrant parce qu'on a eu... On a eu le même sentiment. On a été rassurés, Trissa et moi, en fait, au même moment. C'est quand tout simplement, ouais. ça paraît hallucinant, c'est qu'on a
la police et tout ça a recopié, a pris la plaque d'immatriculation, pris notre carte d'identité, on a été noté. C'est rigolo parce que d'habitude, t'as pas trop envie de te faire noter par la Surtout par la guardia police. Oui. civile. Et là, en fait, c'était rassurant. Moi, ça m'avait rassurée à ce moment-là. Et Christa m'a dit exactement la même Pareil, chose. Ah, mais la mouche. Et on a réagi pareil toutes les deux. Ça nous a rassurés parce qu'on s'est dit, bon, c'est bon, on est posé. On est posé Voilà. et puis on a l'autorisation de rester. C'était surtout ça. Parce qu'avant, chez toi c'était un peu plus tard, je crois, mais chez moi c'était au bout de je sais pas, 15 jours ou quelque chose comme ça que la police, la guardia civile est arrivée. Quand même pas 15 jours. Et avant, j'étais toujours un peu. Bah oui, hein. Est-ce que je peux rester? Est-ce que si? Est-ce que ça? Qu'est-ce que je dois à faire? Est-ce que je dois d'aller faire les courses? Est-ce que je dois ça? Est-ce que voilà quoi. Et à partir de ce moment-là, quand ils m'ont dit OK, vous pouvez rester, aucun souci, on a mon passeport, plaque d'immatriculation et tout ça, vous pouvez aller faire des courses au village, il n'y a pas de souci, pharmacie, station-service et ainsi de suite. Mais le camping-car ne bouge pas. Et c'est à partir de ce moment-là, j'étais rassurée, je savais, OK, maintenant, ils ne vont plus me virer. Ils m'ont accepté. Il y a quelqu'un ici qui habite ici, dans son camping-car, dans sa maison à roulettes. Et à partir de là, ils ont vraiment venu régulièrement, deux, trois fois par jour, tout le temps, pour contrôler, pour demander, des fois même pour s'arrêter. Pour voir si tout va bien, si j'ai besoin de quelque chose. Et là, j'étais vraiment beaucoup plus tranquille, beaucoup plus rassurée. Et je me sentais vraiment bien en sécurité. Voilà. Moi j'étais rassurée, bah, nous c'est un peu différent, mais le fait de ne pas bouger le camping-car, c'était exactement la même chose. Ah, ils nous ont dit, ah, vous pouvez sortir du camping, il n'y a pas de souci avec le camping-car, mais seulement vous ne reviendrez pas. Donc si tu veux, c'était un peu le coup près, mais ça fait rien, c'était quand même rassurant, et ça nous a fait du bien, donc ceux qui ont voulu rester, ils sont restés. Il y en a qui sont Il y partis, en a pas hein, de mal toute qui sont façon, tu partis là sais, du hein, oui. Hein. camping. Hein. Ben, notre chère amie Christiane, elle est Ah partie. Ma copine Christiane. Tu sais que tu me manques, hein, Christiane, hein? Ah ben alors? Ben oui, hein? Ben, je vais bien retrouver d'autres des Christianes, hein? Ça c'est sûr. Hein? Pour l'instant, il n'y en a pas, les Christianes. C'est hallucinant ici, mais il n'y a pas un Pékin. On est toutes On est seules toutes ici. seules, c'est ce qui est très C'est surprenant. exceptionnel, un Alors, sous-vide, c'est l'air est vrai vide. que en Espagne, bon, comme de partout, j'ai vu un peu les informations. Il y a une reprise un peu bon du Covid, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait vraiment personne le week-end. Non. Parce que d'habitude, c'est plein. C'est plein, Même l'autre fois, quand je suis arrivée, il y avait du monde. Et là, pas du tout. Parce que des fois, ça commence déjà à arriver le jeudi, vendredi et puis samedi. Des fois, il n'y a pas un Pékin. Enfin, mis à part de nous Nous, on est bien installés. et le voisin, mais le voisin, il est juste là pour stationner son camping-car. Il habite à côté. Et au fait, avant que tu nous disputes, on a mis les stores et tout le boxon parce qu'on a l'autorisation, hein. Bah oui. Oui. Alors attends, parce que je te fais voir quand même ce que Chrissa, oula, elle s'est fabriquée. Voilà ça, avec des cagettes et du plastique, une bâche. Elle s'est fait son garde-manger. Alors non, c'est pas du pain, des choses comme ça, c'est conserve, bouteille, choses comme ça. Et oui, personne ne lui a rien dit. Bon, moi j'ai toujours ma douche, bien sûr, à portée de main. Mais tu vois, elle s'est bien installée. Voilà. Oh, sinon, il y a autre chose quand même que je voudrais Attends une simplement seconde, je change mentionner. de place quand même parce que là, je peux même pas m'installer. Alors, je vais quand même le mentionner et on vous en parlera dans une prochaine vidéo. C'est que nous avons un nouveau participant. Et Ah, ils sont oui, pas là pour nous moi. avons quelqu'un qui nous rejoint dans l'équipe, dans les équipes Foxy et Coquelicot, mais on n'en parle pas maintenant. Non. C'est beaucoup trop tôt. On vous en Oui. parlera plus tard Oui. parce que là, ça sera embêtant si on vous en parle. Là, pour l'instant, on vous le dit simplement, on vous prévient. Ouais, et Voilà. puis on vous explique aussi pourquoi on ne vous le présente pas vraiment encore Oui, maintenant non, mais parce qu'il y a non. des raisons à Oui, ça. voilà. Non, pour l'instant, on ne Plus peut tard. pas vous en Plus parler, tard, non. mais on vous dit, il y a un nouveau participant à nos équipes. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont en train de se dessiner, de se projeter pour l'avenir.
Krista et moi, on est en train d'y réfléchir, en train de monter ce projet. C'est un gros changement, très gros projet. Ça, c'est du lourd, très très lourd. Donc, on va voir. Et c'est vrai que ce projet, il naît à cause, grâce, je ne sais pas quel mot employer, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce que l'on En vit même. fait, c'est la suite de c'est ce qu'on a vécu là, les 4-5 derniers mois. Bon, il y a une chose qu'on peut vous dire, non, on ne va pas rentrer en Oh France. non. Puis en plus, ça me fait bizarre quand on dit rentrer, quoi. Rentrer, rentrer. Alors rentrer, pour moi, ça veut dire revenir, rentrer à la maison. Oui, voilà. Mais non, mais ma maison, elle est là. Donc c'est Sa pour maison, ça. elle est là. Donc, Ça serait retourner, bah, aller en France, quoi. aller en France, pour moi, c'est Mais pas non, non, rentrer, non. c'est pour moi, c'est aller Tu veux en pas aller en France. Allemagne, toi? Qu'en faire? Non, non, ça n'a rien à voir. Bon, Non. écoutez, pour l'instant, c'en est au niveau du brouillon. Ouais. Voilà. Ouais. Christa et moi, on est en plein dans le brouillon. Ouais. Pas dans le brouillard, pas du tout. Et on vous en parle. On t'en parle, on te racontera tout ça. Pour l'instant, enfin, moi, je te fais des gros bisous. Ouais, Oh, moi tout aussi. simplement. Bonjour. Là, je peux t'en faire tout plein, c'est à distance. Bisous à Voilà. distance, c'est